Je m'appelle Youssef El Abdji, j'ai 23 ans. Je suis étudiant à Paris School of Business et alternant au sein de BNP Paribas Personal Finance à la direction des achats en tant qu'acheteur junior. J'ai en charge les dépenses et les besoins des différentes directions de BNP Paribas Personal Finance. Je gère les appels d'offres, toute la relation fournisseur et toute la phase contractualisation. En parallèle de mes études et de mon travail, j'ai toujours voulu une vie remplie d'action. Et par rapport aux différents événements qu'on a pu voir, notamment les attentats et l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'ai tout de suite pris en fait une part de responsabilité. Je me suis dit que j'avais un rôle à jouer, notamment sur mon temps, que je pouvais donner. Je me suis dit voilà, pourquoi pas tenter d'intégrer les casernes de pompiers en France. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la caserne la plus proche de chez moi, Enghien-les-Bains. Donc là, ça fait à peu près 2 ans que je suis pompier au sein de cette caserne-là. Ils m'ont fait passer voilà, tout ce qui était sportif et le processus de recrutement s'est déclenché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 modules pour être pompier volontaire. Donc, c'est des formations à suivre. Il y a d'abord la formation transverse, c'est celle basique par rapport aux gestes de premier secours, le secours à la personne, les opérations diverses et l'incendie. Et c'est globalement réparti sur 6 semaines. Alors, les casernes vont demander en moyenne un volume de 96 heures minimum par mois. Ce qui me concerne, c'est certainement le soir que j'y vais après mon travail et les week-ends. Mes collègues de BNP Paribas Personal Finance m'ont très bien accueilli. Ils ont été même curieux en me posant plein de questions sur le déroulé et mes missions au quotidien auprès des pompiers, et ça a même suscité l'engagement auprès de certains collègues et de leurs enfants à se renseigner auprès des casernes les plus proches de chez elles. Mon expérience au sein de BNP Paribas Personal Finance m'apporte plusieurs soft skills, notamment la communication avec mes fournisseurs et mes clients. En tant qu'acheteur, dès le début d'un appel d'offres, on doit comprendre le besoin. C'est exactement la même chose avec une victime lorsque je suis en intervention. Je dois comprendre sa douleur, comprendre où elle a eu mal et qu'est-ce qui s'est passé. Inversement, mon expérience chez les pompiers m'a apporté du sang-froid, notamment avec les fournisseurs un petit peu virulents en négociation. Je sais qu'avec mon expérience et mon recul avec les pompiers, je suis beaucoup moins sur la défensive et voilà, j'essaie de calmer à chaque fois les négociations et les échanges. Clairement, je me vois continuer cette double vie dans le long terme. Dans un premier temps, j'aimerais bien passer caporal l'année prochaine en ayant les fonctions de chef d'équipe et qui sait, dans l'avenir, continuer à gravir les échelons en montant sergent jusqu'à sous-officier de garde en parallèle de mes activités professionnelles.